tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis mise dehors parce qu'en fait, j'ai mon chéri qui dort encore et qu'il est 8h30 du matin. On va éviter de le réveiller. Aujourd'hui, 24h, je mange comme dans mon enfance. C'est vraiment une vidéo que j'avais pas du tout pensé à faire. Je vous ai mis un petit sondage sur Instagram et du coup, vous m'avez mis plein d'idées de vidéos, donc c'est trop cool. Il y a de la bulle qui sort là. J'avais envie de filmer une journée comme dans mon enfance. Ça va me remémorer plein de souvenirs. J'aime trop, je suis trop contente. Vous allez peut-être entendre les oiseaux. C'est cool. Ce matin, au programme, des céréales et des pitchs. J'ai contacté ma mère et ma sœur pour qu'elles puissent me remémorer un petit peu ce que je mangeais pendant mon enfance. J'ai quelques souvenirs, mais c'est vrai que je voulais vraiment avoir des détails précis de ce que je mangeais et de ce que je faisais quand j'étais petite. Et ma mère me disait, bon bah le matin, voilà, tu mangeais des céréales, des pitchs. Elle me dit, t'aimais beaucoup changer le petit déjeuner. C'est vrai que même aujourd'hui, hein, je déteste manger la même chose tous les matins. Je varie en fait. Genre par exemple, je vais prendre des gâteaux, je sais pas, à l'avoine, etc. le matin. Après, je vais me faire un porridge. Après, je vais me faire un bol cake, enfin j'aime trop varier, je sais pas pourquoi je kiffe. Bref, chaque céréale a une petite histoire. Par exemple, les céréales Lion, mon frère, tous les matins il mangeait ça. De temps en temps, je kiffais trop les céréales Lion, mais mon frère, lui, systématiquement, tous les matins, ma mère lui préparait. Donc, lui, mon frère, on lui prépare le petit-déj, mais pas nous. Hein. Nous, on se démerdait. Ah ! Ma soeur, elle m'a dit, ouais, Myriam, on mangeait beaucoup des céréales Crunch. Je me suis dit, mais c'est vrai, on adorait les Crunch, c'est un truc de ouf. Ensuite, les Chocapic. J'ai du mal ce matin, désolée. Les Chocapic, alors ça c'est une histoire d'amour les gars, mais oh, j'aimais trop manger. Je me faisais des boîtes entières de Chocapic. Ça aussi. Ça c'est arrivé bien plus tard dans mon enfance, bien plus tard, ouais. Donc là ce matin, ce que je vais manger des Crunch et des Chocapic. J'ai mis le lait avant les céréales parce que j'ai chauffé mon lait, j'adorais manger le céréale avec du lait chaud, que ça se ramollisse un peu, que le chocolat il fonde dedans, j'aimais trop ça. Donc je vais préparer ma petite mixture. Les Chocapic et les Crunch, oh my god. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de céréales. Genre très très longtemps. Vous savez ce qui me manque là? Il me manque une chose. Ma mère. Ma mère, tous les matins, elle venait me parler pendant que je prenais mon petit déj. Oh, elle me parlait. Et moi en fait, j'étais pas du tout du matin. Clairement, ça m'énervait qu'elle me parle. Même une fois, ça m'est arrivé de pleurer parce que j'en avais marre qu'elle me parle. Vous allez dire, je suis horrible. En fait, moi j'aimais trop genre le matin me réveiller, prendre mon petit déj tranquillou devant la télé. Ah oui, je regardais Totally Spies aussi. Voilà, être tranquille le matin, je prenais mon petit déj et tout. Et là, ma mère, elle venait me parler. Oui, donc Myriam, t'as bien dormi, c'était pas mal. Elle me parlait. Mais elle était tellement heureuse de me parler en plus. Et pff, quand j'y repense, c'est horrible, hein, franchement. Ta pauvre, ma maman. Un jeu dans chaque paquet. Cap ou pas cap? J'ai trouvé. Alors, cap de battre un champion. Oh, je cap de tout, moi. Vous savez pas, vous. Pas me lancer des défis hein. Ah, c'est trop, mais c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Cap ou pas cap de faire un fantôme en coton. Vas-y, je vais le faire. Bon, je vais pas le faire maintenant parce que en fait aujourd'hui j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde derrière, c'est trop bizarre. En fait aujourd'hui je suis en télétravail donc bon là ça va, il est 8h30, j'ai le time. Pitch mon pitch, chacun sa brioche, mais dans ta poche un pitch ou deux. J'ai chanté la même musique sur ma dernière vidéo. Oh, mais si, vous savez ce que je faisais quand... Oh là là, mais alors là, comment j'ai pu oublier ça? Bon, quand le pitch était toujours dans le sachet, j'écrasais mon pitch, comme ça. Je voulais qu'il soit tout plat, mon pitch. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment bizarre, moi. Dans cette vidéo, évidemment, je vais manger que les trucs qui me plaisaient quand j'étais petite. Oh, regardez, il y a un cœur. C'est parce que je vous aime. C'est un paresseux. Et là, Akita. Non mais vraiment, je suis une gamine. Je vais mettre ça. Comme on dit, jamais 203. Allez. Ah non, il n'y a pas les céréales de mon frère. J'allais dire ça, ça représente ma soeur. Ça me représente. Et ça représente mon frère. Mais du coup, j'ai mis les crisps. Cookie crisps. J'aurais dû mettre les lions. Mince. C'est pas mal. J'adore voir le lait à la fin. Oh, une passion le lait. Mais c'est un truc de ouf. Bon, allez, à tout à l'heure. Je dois aller chez Picard parce que j'ai oublié, enfin j'ai oublié un truc pour le midi pour manger comme dans mon enfance. Franchement ça se voit que je suis en télétravail. Hein. Tout va bien. Attendez, je vais vous montrer. Leggings gris, rien à voir. Claquette d'été. Alors qu'il fait pas non plus
20 degrés. Picard ! Moi j'ai vraiment un problème avec Picard. Je pense que je suis un petit peu trop accro. Je suis la seule sur le parking. Là il faut que j'achète un truc. Mais en fait le problème c'est que quand je vais chez Picard, j'achète des trucs que je devais pas acheter normalement. C'est un problème ça Mimi, c'est un problème. Non mais voilà, je vous l'ai dit. Voilà. Je repars avec un carton Picard. Et vous savez, c'est le moment, mon moment préféré de la journée. Je vais manger. Alors, au menu les amis, purée, j'ai plus beaucoup de batterie. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je charge jamais ma caméra? Un petit filou. Alors ça, mais ça, le petit filou quoi, c'est pas incroyable. Je sais même pas quel goût ça a. Un fromage quoi. Un fromage pour les enfants. Un hot dog et des frites comme ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais quand on était petite en fait, enfin quand on était petit avec mes frères et sœurs, le mercredi on se gardait tout seul. On était au collège quoi. Ma mère elle avait pas forcément le temps de tout le temps faire à manger, etc. Parce que bon, on nous a élevés seuls. Elle travaillait aussi, donc c'était pas évident. Et du coup, bah, nous on kiffait parce que du coup on mangeait plein de trucs qu'on aimait, enfin c'était trop cool. Elle nous préparait des hot dogs en fait qu'on avait juste à faire réchauffer. Et des frites comme ça qu'on avait juste à mettre au micro-ondes. Et franchement, mais c'était une passion ces frites quand j'étais petite, mais... Franchement, moi je les trouve bonnes. Autre chose, de l'eau. Quand j'étais petite, c'était très rare que je boive des boissons à table. Ma mère, elle voulait jamais. On nous a toujours dit à table, c'est de l'eau. Et du coup, ça m'est resté. Je bois jamais de boisson. Ah oui, et hot dog, très simple. Genre, j'ai jamais aimé mettre trop de trucs dedans. Moi, je mets toujours la saucisse, la sauce, et c'est fini. Moi, ça me manque trop de vivre avec ma famille. Hein. J'aimerais bien de temps en temps me dire, vas-y, allez, pendant un week-end, on vit ensemble comme avant. Je tenais à dédicacer ma vidéo à ma mère. Sans elle, je serais pas cette personne aujourd'hui. C'est elle qui m'a toujours motivée à faire ce que j'aimais. Elle m'a toujours encouragée à faire tout ce que j'aime en fait. Elle nous a donné une éducation de ouf. Elle nous a élevés seuls et elle a très bien réussi le taf. Donc franchement, la vidéo elle est pour ma mère. Love you maman. Et en dessert, le flambi. Mais qui ne mangeait pas des flambis quand il était petit, franchement. Tac. Tac. Ah ! J'ai loupé. Tentation numéro 2. Mais je suis si nulle. C'est pas possible. Où est-ce qu'il reste? On va le finir à la cuillère. Ah, c'est trop bon les flambis. Oh Moi j'adorais faire ça. Trop bon. Et... Non mais attendez. Parce que j'adore le chocolat. Un truc que ma mère m'a acheté. Les nuts. Mais c'est un truc d'ouf les nuts. C'est trop bon. Mon frère il est pas du tout sucre. Il déteste tout ce qui est dessert etc. Ma soeur... ça va. Elle est moins pire que moi. En fait moi je suis vraiment le... Le level au-dessus, quoi. Je vais voir si c'est toujours bon. Oh. Est-ce que vous connaissez les nuts? Ah, les nuts, je suis jamais déçue. Le caramel, là. Mais la guêpe, arrête! Bon, du coup, là, j'ai fini mon repas du midi. Je vais retourner travailler dans mon canapé, évidemment. J'adore ce petit retour en enfance, là. Ça fait du bien. C'est quoi? Vous avez vu? Je crois que j'ai jamais une araignée. Oh non, ça me stresse. Allez, j'ai une araignée sur moi, je suis sûre. Et je peux pas, le travail, les cours, les transports, je mets presque 2 heures pour aller travailler. Je peux vous dire que quand je rentre chez moi, et je crois qu'il y a une araignée qui est sur moi là. Je suis sûre, je vois tes toiles. J'aimerais trop faire 2 vidéos par semaine. Oh, franchement, ça serait mon objectif. Mais bon, si un jour je fais YouTube à plein temps, je ferai 2 vidéos par semaine. Il est 16h19 et je suis déjà en retard pour le goûter. Vous savez pourquoi? Car quand j'étais petite, l'heure du goûter était sacrée. Avec ma sœur, on attendait mais genre 16h00 pour aller goûter. Avec ma sœur, on était vraiment des ouf pour ça. Il était 15h59, on n'allait pas manger. Hein. Il fallait attendre 16h00. Au goûter, ça va être... Kinder Pingouin. Des Kinder Pingouis, c'est l'heure du goûter. Ah, attendez, je vais prendre des Kinder Pingouis. Il y a un truc que j'adorais aussi, des balistos. C'est très healthy hein, comme goûter. Hein.
Mais c'est l'heure du goûter pour toi aussi. Ah, tu l'avais tombé. Moi, j'ai pas faim spécialement. C'est plus de la gourmandise. Comme dans mon enfance. Est-ce que vous connaissez les balistos? Ça vous plaît ou pas? Je suis sûre que je suis la seule à aimer ça. Alors, le Kinder Pingui, comment il se mange? On va séparer. Tac. Je suis bizarre. Le truc blanc là. Oh. J'ai vraiment un problème avec le chocolat, mais genre de ouf. Je crois que je vais en reprendre un. C'est grave. Alors pareil, j'aimais bien manger les peach. Peach, tartine de Nutella. Mais Nutella, ça y allait. Je me gavais Nutella. Ah, c'est ça que je faisais. Je croquais le dessus. Tac. Et il me reste que la partie mousse. Oh, j'ai des danses de la bonne affaire. Purée, j'avais complètement zappé. Je l'ai fait ce soir. Oh, la mousse, elle est extraordinaire. En fait, ça reste quand même sur le ventre. Je trouve ça, c'est écœurant au final. Oh, le goûter, c'est ma vie. 19h15. Je viens de finir le travail. Alors, oh, ce soir, soirée crêpe. Soirée crêpe, soirée crêpe. Soirée crêpe. Je vous explique. Quand j'étais petite, enfin quand on était tous petits avec mes frères et mes sœurs, ma mère nous faisait très très souvent le dimanche soir des soirées crêpes. Oh, mais c'est toute ma vie les soirées crêpes. J'aime trop ça. J'ai vu les crêpes chez Picard congelées. Je me dis bon, pourquoi pas tester. J'ai jamais essayé, on verra. Je suis KO de ouf, je suis fatiguée. Alors, crêpe sucrée. Crêpe salée. Titi, ouais. Ils disent soit 30 secondes au micro-ondes, soit une minute à la poêle. Ah, micro-ondes. Tu sais ce que t'as envie toi déjà en crêpe? Jambon chèvre, non? Jambon chèvre miel, avec ouais. De la crème fraîche? Non. Non? Pas de crème fraîche, ok. Bah tu peux en mettre mais vraiment pas beaucoup. Alors. Genre tu sais, histoire que ce soit pas sec quoi. Bah tu peux en mettre mais pas beaucoup alors. Alright, je fais ça alors. Du Nutella? Je pense que tu connais. Moi j'ai mis de la coco dedans. Est-ce qu'elle est bonne? Très bonne. Très très bonne. Très moelleuse. Elle est hyper bonne. C'est mon chat. Il n'y a rien d'amour. Non. Je préfère 100 000 fois les crêpes sales, sucrées que salées. Bon, bah c'était très très bon. Ces 24 heures étaient trop cool. Trop trop cool. 3 days later. Pour clôturer cette vidéo, je tenais à vous présenter ma famille. Ok, donc voici ma soeur, celle avec qui j'ai partagé plein de le goûter 16h00, n'est-ce pas? Ouais, toujours. Hein, et tu bien. Mangeais quoi au goûter? Alors, ça dépend en fait. Des peach, des tachintella. Voilà, le Nutella, ça y allait. Hein. Alors... Mon frère, celui à qui on préparait les bols de céréales Lyon tous les matins. Ma mère, on ne verra que sa main parce qu'elle veut rester dans l'anonyme. Elle veut rester anonyme, voilà. Moi, je tiens à préciser que tous les plats cités par ma fille Myriam, que j'aime à la folie, ce n'est qu'un échantillon. J'ai quand même conçu des plats un peu plus équilibrés dans leur enfance. Hein. Merci. Ouais, non, t'inquiète pas, je l'ai dit maman en vidéo. Ah non, d'accord, ok. Mais bon, pas. Et la raclette, c'était une de nos traditions aussi quand on était jeunes. Hein. Et c'est toujours, ça reste une tradition. Ah. Je vais clôturer la vidéo après, hein, après le repas, on clôture. Ah, j'ai des danses de l'abonné à faire. Non, mais la chasse en... Voilà. Ah oui, si, c'est bien. Il y a un petit peu les jours. Sois pas sûr.
tout le temps sur son téléphone. Moi, je me mets là. Sarah va faire la danse de la monnaie. Non, c'est faux. C'est faux. Engrengal. Cette danse de l'abonné pour Stéphanie, sa sœur, Alix l'Allemand, Cyprien Tsag, Gila Samoudji, Sans Dynamite et Christelle Barèche qui nous a demandé un petit zouk. Donc sur le zouk, retrouvez les partenaires Myriam, Diary et Tommy. Engale, 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 engale. Alors le zouk, je vais y arriver. Comment on zouk passe? Voilà. Donc toutes ces danses c'est pour Stéphanie et sa sœur, Sans Dynamite, Alix, j'essaie de retenir les noms. Alix, Gilas, Cyprien. Christelle qui m'a demandé sa spéciale zouk. Bon, je suis un peu nulle en zouk, hein, comme tu l'as pu voir, désolée. Et je sais pas si j'ai oublié des noms. Non, c'est bon, il y a tout le monde. Si je vous ai oublié, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et je screenerai en fait pour pas que je vous oublie la prochaine fois. Même mettez-moi un petit commentaire sur, sous ma vidéo et je ferai ça, ne vous inquiétez pas. Ma soeur qui me filme de dire mais elle est tarée cette famille. Oh, cette famille, on sait. En tout cas, merci à tous de me suivre, merci énormément. On est 6000 là sur ma chaîne à l'heure où je vous parle et je suis trop contente. Sachez que pour 10 000 abonnés, il y aura une petite surprise, une grosse surprise même. Donc soyez présents à ce moment-là. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. À bientôt.